Si vous utilisez LinkedIn pour trouver des clients, vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est intéressant de créer une page LinkedIn d'entreprise. Vous voulez peut-être savoir comment créer une page LinkedIn. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous montrer où vous pouvez créer une page LinkedIn. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de créer cette page LinkedIn. Et par contre, je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est surtout important d'avoir un profil personnel LinkedIn optimisé pour la conversion et pour trouver des clients. On va comparer du coup l'efficacité d'une page d'entreprise LinkedIn et d'une page personnelle, un profil personnel LinkedIn, puisque bien souvent en fait vous faites cette erreur de vous dire bon bah je vais trouver des clients avec ma page d'entreprise puisque je suis une entreprise, donc je vais avoir l'air professionnel et donc je vais travailler et je vais surtout publier sur ma page LinkedIn. Malheureusement, ça c'est une erreur et on va voir ensemble pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir optimiser à 100% votre prospection sur LinkedIn. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en marketing digital, en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place un dispositif d'attraction de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Je vais tout de suite vous partager mon écran, puis je vais vous expliquer un peu cette logique de la page LinkedIn, du profil personnel et surtout comment vous allez pouvoir faire travailler les deux ensemble. Je vous partage mon écran. Alors, simplement, juste avant de commencer, si vous voulez justement apprendre à décoder le code de croissance de votre entreprise, à apprendre à avoir du succès sur votre prospection digitale, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vais vous partager 16 ans d'expérience à générer des leads dans le B2B, à monter des sociétés et surtout à mettre en place des tunnels de vente qui nous permettent d'automatiser la prospection digitale et ne plus avoir besoin de prospecter. Voilà simplement pour la petite publicité pour cette chaîne YouTube. Ça me permettra de savoir si ça vous plaît, si je peux continuer à créer ce contenu. Donc là, on va surtout parler de LinkedIn et de la page d'entreprise. Alors, je vais juste couper mon téléphone. Sur LinkedIn, pour créer déjà une page d'entreprise, donc une page d'entreprise, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que tout simplement, vous avez un accueil ici, un petit logo, une présentation et dans lequel vous allez pouvoir créer des posts et avoir créé des hashtags pour votre communauté. Donc, pour créer une page d'entreprise, il faut simplement aller dans « Produits » et cliquez en bas ici, créer une page d'entreprise. Vous allez choisir du coup quel type d'entreprise ou quel type de structure vous avez et vous allez pouvoir créer votre page d'entreprise. Donc, par exemple, si vous êtes une petite entreprise, vous allez pouvoir créer nom. Là, vous allez faire bien attention de mettre le nom de votre entreprise sans accent ou alors un mot-clé. C'est intéressant des fois juste de mettre un mot-clé. Vous allez pouvoir mettre votre site web, etc. Donc vous allez travailler votre page. Faites attention à mettre des mots-clés que vos clients pourraient rechercher directement peut-être dans le nom de votre page d'entreprise ou dans surtout votre slogan, c'est-à-dire la description de votre entreprise. Les exemples que met LinkedIn, finalement, c'est pas vraiment vrai parce que c'est pas ce qu'ils vont vous donner comme conseil lorsque vous allez la créer avec eux. Ils vont dire mettez plutôt des phrases avec des mots-clés plutôt que de simplement dire un cabinet comptable qui donne toutes les assurances pour la comptabilité. Ça, franchement, si vous mettez ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de visites. Donc, une fois que vous avez créé votre page LinkedIn, il faut quand même que je vous dise quelque chose. La page LinkedIn, en toute honnêteté, elle ne va pas vous servir à grand-chose en dehors de donner de la crédibilité à vos profils personnels, le vôtre et ceux de vos salariés ou le vôtre et ceux de vos équipes. Le reach, c'est-à-dire la capacité de la page à aller toucher beaucoup de personnes sur une page professionnelle, il est très proche de zéro. D'accord ? Déjà, c'est très difficile de faire en sorte que les gens viennent s'abonner à votre page LinkedIn. Il faut savoir que quand LinkedIn, si vous cherchez comment avoir plus d'abonnés sur votre page LinkedIn, les conseils de LinkedIn, c'est quoi? C'est de dire envoyer un email à tous vos clients pour qu'ils s'abonnent à la page LinkedIn. C'est pour vous dire à quel point ça a été bien pensé sur LinkedIn, la possibilité de s'abonner et de suivre une page LinkedIn. Et surtout, en fait, ça sert surtout une page LinkedIn à trois choses. Donc la première, c'est
déjà de quand vous allez vous inscrire ici, quand vous allez avoir vos expériences, ne pas avoir un petit icône gris. Parce que vous savez, je vais vous faire une expérience, je vais créer une fausse entreprise. Test entreprise. Et si je mets une entreprise sans page, voilà, je vais mettre ça, je vais mettre depuis 2018, janvier 2019. Si je mets cette expérience là, vous voyez que ça fait un magnifique carré gris. Et ben le carré gris, en fait, il faut éviter ça, ça fait vraiment pas pro. On a l'impression que vous avez une toute petite entreprise, vous maîtrisez pas du tout LinkedIn, ça fait vraiment très peur. Donc la première chose, c'est de donner de la crédibilité à votre profil. La deuxième chose, c'est qu'en fait, lorsque vous allez faire de la publicité, et ça je vous le montrerai dans d'autres vidéos, c'est extrêmement important de faire de la publicité, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand vous ferez de la publicité ici, en fait vous ferez de la publicité avec une page LinkedIn. Donc ça, c'est la deuxième chose importante, c'est que sans page LinkedIn professionnelle bien travaillée, vous n'allez pas pouvoir faire de la publicité, et surtout vous aurez des résultats pourris, parce que si vous n'avez pas ce petit logo, cette petite image carrée là pour montrer votre page d'entreprise, bah vous ne serez pas pro, les gens cliqueront pas sur votre pub parce qu'ils auront relativement peur. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est importante, c'est pour la publicité. La troisième, si vraiment vous avez énormément de succès et que vous avez plein de fans, de plein de followers sur votre page, votre entreprise devient vraiment une référence dans son marché. Moi, je l'ai jamais vu, hein, mais il y a des très grosses boîtes américaines qui, si vous prenez, je sais pas, si vous prenez Apple, j'imagine que Apple, ils vont avoir énormément de followers sur leur page d'entreprise. Voilà, 7 millions. Bon, bah là, aujourd'hui, Apple, ils pourraient, en fait, créer une publicité en disant on veut faire la publicité sur tous les personnes, enfin montrer cette publicité à toutes les personnes qui suivent notre page. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est dire que quand vous ferez de la publicité, vous pourrez créer des audiences spécifiques pour les personnes qui suivent votre page, et en plus vous aurez du coup beaucoup plus de chances de toucher des personnes qualifiées puisqu'elles s'intéressent à votre page. Alors pour rappel, c'est pas vraiment le cas parce que tout le monde s'intéresse à Apple aussi bien pour les financiers que les autres, donc ça c'est pas vraiment vrai, mais pour votre entreprise vous pourrez travailler de la publicité grâce à ça. C'est à peu près tout ce qui est intéressant pour la page. Donc finalement, c'est pour vos salariés et pour vous avoir de la crédibilité, avoir si vous recrutez, ça vous permettra aussi de mettre des offres d'emploi, pardon, j'avais oublié ça, c'est votre page d'entreprise qui portera vos offres d'emploi. Mais dans le cadre vraiment de la pure prospection, de la pure création de contenu, etc., la page va vraiment, vraiment pas faire grand-chose pour vous. Elle va pas vous aider à générer du lead, elle va pas vous aider à convertir des personnes en clients, en dehors du fait qu'elle rassure. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire déjà sur la page. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir vous concentrer sur votre profil et que c'est votre profil personnel qui va vous permettre de générer du lead, de créer des conversations, puisque les gens, ils n'engagent pas avec une entreprise, ils engagent avec des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui ont des compétences et qui vont pouvoir les aider à résoudre un problème, une problématique clé. Et donc, en fait, l'outil ultra, ultra puissant qui va vous permettre aujourd'hui de générer des leads sur LinkedIn, c'est ici, c'est la messagerie. Donc pour ça, il y a d'autres vidéos que je fais, mais pour ça, en fait, il y a des techniques pour pouvoir engager les personnes dans des discussions. C'est vraiment là que vous allez générer du lead. Donc la page LinkedIn, la page de compagnie, la page d'entreprise, je vous dirais, passez pas énormément de temps sur votre page d'entreprise, elle va pas vous servir à grand chose. Je vais peut-être pas prendre cette page là puisque c'est la page d'un client. Donc là, votre page d'entreprise, elle vous sert pas à grand chose. Vous voyez, moi j'ai aujourd'hui 5000, quasiment 6000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, et je vais avoir 35 abonnés sur la page. Bon, elle est toute neuve, la page d'entreprise, mais que 35 abonnés. Et franchement, voilà, je poste une publication, il y a 14 personnes qui l'ont vue et il y a personne qui interagit sur cette
publicité, parce que c'est les gens sur LinkedIn, ils sont là pour interagir avec des humains, ils sont pas là pour interagir avec des pages d'entreprise. Donc la page d'entreprise, vraiment, faites-la rapidement, faites bien attention d'avoir un petit logo, vous pouvez faire un logo en 80x80 je crois, mettez une belle image ici, mettez un mot-clé ici pour que vous soyez identifié sur votre domaine d'expertise. Et ça s'arrête là. Elle sert pas à grand chose d'autre. Là, vous aurez. Bon, moi, j'ai pas de salariés, donc. Mais là, vous aurez vos salariés. Vous aurez du coup le petit logo qui est sympa. Faites attention au logo quand même. Ça, par contre, pour le coup, le logo, il a vraiment de l'importance. Donc, faites attention de bien travailler. Prenez peut-être un petit graphiste. Ça vous coûte pas grand chose. Et derrière, il servira lorsqu'on ira faire de la publicité, puisque en fait, sur LinkedIn, vraiment, si vous voulez accélérer votre prospection et vraiment faire du business, c'est-à-dire trouver beaucoup de leads, ben, il n'y a que deux techniques. Il y a une technique qui est la messagerie, mais sur laquelle vous n'allez pas pouvoir scaler, vous n'allez pas pouvoir avoir 100 conversations par jour, c'est impossible. Donc là, c'est plutôt du très court terme, c'est très efficace, mais ça ne vous permettra pas d'aller très 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 loin dans votre chiffre d'affaires. Et derrière, la deuxième solution, c'est l'extrême puissance de la publicité sur LinkedIn, mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vais vous faire toute une série de vidéos spécialisées sur comment faire des publicités efficaces dans le marketing B2B. Hey, j'ai failli oublier de te dire, si jamais tu veux trouver des leads sur LinkedIn, j'ai créé un ebook gratuit complet où je vous te donne toutes les méthodes que j'utilise, et tu vas voir, c'est des méthodes que il y a très peu de gens qui te donnent. C'est des méthodes vraiment qui viennent du terrain, de techniques un peu qu'on appelle. L'autre jour, je parlais avec un expert de LinkedIn, il me dit oui, c'est du social selling growth que tu fais, c'est-à-dire que tu as des techniques que très peu de gens utilisent qui permettent vraiment d'aller presque piquer des clients à tes prospects. Donc si tu veux apprendre comment justement maîtriser ces techniques et vraiment aller chercher des clients, à chercher du lead sur LinkedIn, je t'invite à télécharger ce guide gratuit. Il n'y a pas grand chose à me donner comme information. Simplement, pour que je t'envoie le guide, je te demande ton nom, ton prénom, ton entreprise pour savoir un peu où t'en es et ton adresse email. À tout de suite, t'as juste à cliquer juste en dessous cette vidéo, il y a le lien pour télécharger le guide gratuit. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc prenez pas beaucoup de temps sur la page d'entreprise, surtout ne la mettez pas au centre de votre stratégie d'acquisition de clients, parce que vous allez vous ramasser la gueule et vous aurez résultats, vous n'aurez pas les résultats que vous vouliez. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était pas une vidéo très très longue, mais c'était une vidéo importante, parce que on me pose souvent cette question sur la page d'entreprise, et je vois des stratégies qui sont complètement orientées page d'entreprise, et c'est pas du tout une bonne idée. Donc encore une fois, si vous voulez de toute façon par exemple apprendre à faire la publicité sur LinkedIn, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur LinkedIn.